Bonjour, je m'appelle Yacine et je suis project manager chez Etio Real Estate. Au quotidien, je fais ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. J'accompagne des investisseurs dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets immobiliers. Donc je les conseille financièrement, techniquement et juridiquement, entre autres, dans toutes les phases de leurs projets. Et j'apprécie particulièrement dans mon travail aujourd'hui les différents projets sur lesquels j'interviens. J'ai eu l'occasion et la chance de travailler sur des projets tertiaires, des projets de logement, de commerce, de logistique et parfois même des projets un peu plus atypiques comme une chapelle. Pour ma part, je suis donc diplômé de l'École des ingénieurs de la ville de Paris et j'ai connu Etio à travers le forum de mon école et par l'intermédiaire d'anciens élèves qui sont encore aujourd'hui d'ailleurs en poste. J'ai d'abord intégré Etio en stage de fin d'études avant de les rejoindre en CDI depuis maintenant septembre 2021. Et depuis mon arrivée chez Etio, je continue de façonner mon expertise métier et développer mes connaissances dans les domaines de la construction à travers des missions extrêmement variées et des environnements projets tous différents. Évoluer chez Etio aujourd'hui, c'est échanger avec des équipes jeunes, dynamiques et soudées. C'est travailler dans de très bonnes conditions avec le matériel adéquat, donc que ce soit le matériel informatique qu'on met à disposition, le matériel pour se déplacer sur ses opérations ou même se former en interne ou en externe. Je pense notamment aux petits cours d'anglais qu'on a le vendredi qui sont très appréciés. Mais évoluer chez Etio, c'est surtout apprendre tous les jours. Etio donne vraiment l'opportunité à ses collaborateurs d'organiser son travail comme ils l'entendent, avec un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Au-delà de ça, Etio, c'est une ambiance vraiment chaleureuse, que ce soit dans les bureaux ou lors des événements extra-professionnels qui sont organisés. Donc si vous voulez tenter l'aventure, n'hésitez pas parce que l'expérience en vaut vraiment la peine.